Wie sind Sie zur MPLA und hierher gekommen? Ja, ich bin in Luanda geboren, habe ich Medizinstudium in Freiburg im Breisgau angefangen. Später habe ich mein Studium abgebrochen und hierher gekommen, um mitzukämpfen für die Freiheit Angolas. Quand est-ce que vous êtes venu à l'MPLA? En 1965, à Kinshasa, je rejoins MPLA parce que c'est la meilleure organisation qui existe en Angola. Kizere foi nascido em Nova Lisboa. Eu venho no MPLA, primeiro estuga, me apanharam para vir me trazer num contratado. Depois, chegou na primeira região, começou a guerra, depois saiu, veio no Congo Kinshasa. No Congo Kinshasa, lancei mais jeito, veio no MPLA, lutar contra o colonialismo português. Monsieur le Président, comment les maquisards sont-ils entraînés et approvisionnés? Nos maquisards sont entraînés dans le camp d'entraînement politico-militaire à l'intérieur du pays. Seulement les cadres supérieurs sont envoyés à l'extérieur, dans les pays amis, comme en Algérie, en Ro et dans des autres pays, pour faire sa formation. Monsieur le Président, quel sera l'effet de l'exploitation du pétrole du Cabinda sur les activités du MPLA? L'exploitation du pétrole montre que notre territoire est très riche. Et cette richesse appelle les investissements étrangers. Nous pensons qu'avec le pétrole, il y aura une concentration industrielle qui facilitera l'organisation de réseaux clandestins de notre mouvement et l'action donc du MPLA sur le territoire cabindé.